1978 à Arbal, à Kaolack, Sénégal. Bartham Thiam débute son cycle primaire à Dilekhar en 1986. Il obtient son entrée en 6e à Riel Madiabel en 1992 et son baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack en 1992. En octobre 1999, il entame son cursus universitaire à l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Sommaire. Plus de 12 ans d'expérience dans des postes diverses à la fonction publique fédérale du Canada et dans l'industrie des finances avec une bonne connaissance en planification et gestion des clients des diverses, internes comme externes, dans les secteurs publics et privés. Il possède une bonne maîtrise de travail en équipe multidisciplinaire avec un fort leadership permettant de piloter avec succès des initiatives de changement organisationnel et d'établir d'excellentes relations avec les parties prenantes. Toute cette expérience professionnelle fut accompagnée d'un engagement associatif et politique très dynamique de plus d'une vingtaine d'années. Formation académique. En juillet 2004, Bartham Thiam obtient sa licence en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. En juillet 2008, il valide son master en administration profil management public, option relations internationales à l'Université Sherbrooke, Québec, Canada. En décembre 2010, il devient un diplomate de second cycle en sciences politiques à l'Université Sherbrooke, Québec, Canada. En 2013, il est doublement certifié en gestion de projet et en finances publiques à l'École de la fonction publique du Canada. Expérience professionnelle. En juillet 2010, marque le début de sa carrière dans le monde professionnel. Bartham Thiam devient planificateur au secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens au ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. ANDC, gouvernement du Canada. En mars 2015, mai 2016, il est nommé responsable du projet évaluation préliminaire des cas, EPC, au ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, AANDC, gouvernement du Canada. De juillet à octobre 2016, il occupe le poste de gestionnaire des enjeux à la direction du service management et transformation au ministère des services partagés Canada, SPC, gouvernement du Canada. Décembre 2017 à février 2018, il est désigné responsable de contrôle de qualité à la direction des ressources humaines et du milieu de travail, Service partagé Canada, SPC, gouvernement du Canada à Gatineau, Québec. En février 2018, il occupe le poste de business analyst, analyste des affaires à la direction Business Branch Planning, BBP, des services partagés Canada, SPC, gouvernement du Canada à Ottawa. Depuis mars 2019, Bartham Thiam prend congé du gouvernement canadien et crée le cabinet Conseil JB Monde, spécialiste en immigration et gestion d'information à Dakar et à Gatineau, Québec. Engagement politique. De 1996 à 1998, M. Bartham Thiam s'engage dans la politique au sein du Parti socialiste et devient secrétaire politique puis trésorier de la cellule régionale des socialistes. En mai 1999, il démissionne du Parti socialiste et devient membre fondateur du mouvement des élèves pour la candidature de Moustapha Niass pour les élections 2000. De 2002 à 2006, militant actif de l'ASP,
Il devient le trésorier de l'Alliance nationale des étudiants du progrès, ANEP, et plus tard, le secrétaire politique. En 2012, il devient le coordonnateur de l'AFP en Amérique Nord, en remplacement de M. Robert Badji. En juillet 2021, Bakan Khan prend une importante décision dans sa carrière politique en démissionnant de l'Alliance des forces du progrès en tant que coordonnateur de l'Amérique du Nord, du dit parti, et devient un des membres fondateurs du Parti des conservateurs du Sénégal, PCS, dont il est le président. Je termine là avec le président Bakan Khan. Applaudissez, monsieur, madame. Né au niveau de la région de Kaolack, plus particulièrement la commune de Kermadiabel, où il apprend également à comprendre la politique politicienne, et Enden aujourd'hui ayant l'initiative de créer un parti qu'on appelle les conservateurs du Sénégal. Je vous dis, monsieur Bakan Khan aujourd'hui est un leader charismatique, un leader ayant des idéologies conservatrices, ayant aujourd'hui un engagement pour changer le Sénégal. On a compris, les gens, que les Sénégalais souffrent, que les Sénégalais aujourd'hui ont faim, ont soif. Disons oui pour un changement. Ensemble, disons oui pour un président de la République. Disons oui pour un Sénégal émergent. Monsieur Bakan Khan est notre candidat, le candidat de la jeunesse, le candidat des femmes, le candidat des sages, le candidat des religieux, le candidat de culture. Oui au changement. Ensemble, disons oui au président Bakan Khan. Donc, je vais vous présenter ici. De l'autre côté, nous avons M. Wad, qui accompagne également le président du parti. Nous avons de l'autre côté Mme Aminata Diop, Mme Gueye, responsable nationale des femmes du parti. Nous avons au milieu notre mentor, notre leader, notre chef, le lion de Kaolack, le lion du Sénégal, le futur président de la République du Sénégal. Ensemble, disons oui avec lui. Après, nous avons à ses côtés la dame de fer. Derrière chaque homme, il y a une grande dame. Donc aujourd'hui, les dames sont au rendez-vous. Disons oui, Madame Thiam est là aujourd'hui, accompagnée, soutenir également notre leader. De l'autre côté, nous avons un papa, un sage, un vieux aujourd'hui qui est venu accompagner notre leader, M. Mbow. Nous vous disons merci beaucoup. Donc, nous les gardons pour nous le santé de la gueule. Et les femmes, tout de suite et maintenant, le président va faire une déclaration de candidature. Adjoint au maire de la ville de Kaolack, Moutoudou Serigne Mbaye Niass. C'est un peu comme ça, Serigne Mbaye Niass. Nous avons beaucoup de gens le président Bakan Khan, tout le Khalifa Medina Baye, nous frère, le président Bakan Khan, gannaaw sant yalla julli ci yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbolem jotay bi ñi fi tok kenn ku nekk ci turam ak jëmmam waaye di nuyu son excellence président Bakan Khan ak mbolem ñoo xam ne ñi ngi fi ci jotay bi Mawlana Cheikh Mohammed El Mahi khadimul umma waaye tamit ak mbolem ñoo xam ne ñi ngi aju ci pays bi muy imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak imam Cheikh Mohammed El Mahi alayhi Sissé ak mbolem soppi ak talibé ñi ngi ma jox nuyo pour ma indil ko président Barham teewal leen fi jotay waye tamit gëna teway bi yëkëti ay cadeau yo xamni Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moko waxon Mawlana Cheikh Ibrahim daf ne إن مستقبل كل وطن إنما يتوقف على شبابه لكن لا على كل الشبان بل على الشباب المثقفين ذوي الأخلاق الحميدة والهمم العالية لول ماي لان باي ناس دا فوب دي سي تيرام ني افانير ريو بو نيك ميغي سي اي ناو وايي با ناو مون لولو دو ناو لو نيك رك وايي دا فا ام كريتير يو خامني موتاخ ناو يوي نيك سين افانير ريو mooy ndaw loo xam ne dafay am xam-xam am culture waaye tamit am gëm-gëm te gis nañ ne loolu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass biroloon ci ay kàddoom gis nañ ko ci président Bakan Khan mii
ci yëngatu yi nga xamne yag na ko yëngatu diko yëngatul Sénégal waye diko yëngatul tamit Afrique yëpp ba Maulana Cheikh Ibrahim Niass waxon na tamit ci benen téré né Afrique aux Africains lolu nak dafa mengo tay ak li président Barham def ni ndax buñ toogé ba heure bi Europe ak Amérique diko xëccio ñepp nek bëgg mu tok fofu dekk diko ligéyal mu ne dédé damay déllu sama dekk damay déllu sama ciosan pour li nga xamné mom la wara def ma def ko moy ñew and ak jeunesse bi and ak ndaw ñi and ak goor ñi and ak mag ñi kon président Abraham yaakar amna ci yow bu baaxa baax ndax sa xam xam waye sa jaar way waye tamit sa ciofer bi nga xamné képp ko xamné doomu salum tay amna ko xamna né jotay bi ya ko bëggé ni ndax ñu bari jox nga leen ngant ne leen da ngay di def présentation rek waye bu taxoton lolu xamna né du xaj fini waye ala kulli hal ñi ngi ñaan suñu borom daf barké ndax ngir mu nekk barké mo jox ko solo te am nañu yaakar né mbolo mi mbolo mu barké la ndax ndaw ñaan fi mag ñaan fi digeen ñaan fi te lolu dalil la koy wone né yéddu bu sallallahu alayhi wasallam né fo gis jotay bo xamne gis nga fa ndaw gis fa jigen gis fa mag li nga xamne jotay bobu jotay bam avenir kon president Barham ñu lay jox nuyo Maulana al Khalifa ya la jox nuyo Madina Bay ya la wax na la ca kaw ca kanam insha Allah rabbi wa salam yepp ñi nga andal yow ñu lay jappale insha Allah rabbi amna yaakaar nonu ko Senegal yepp di defé di la gërëm di la sant assalamu alaykum wa rahmatullah.